Oh, Nancy, il y a beaucoup de choses intéressantes. Salut, Lippy. Voulez-vous jouer à un jeu magique? Le meilleur des prix vous attend. Wow, essayons. Je suis sûre que nous allons gagner. Il faut juste viser et... Oui, on gagne. Génial. Oh, what? Qu'est-ce qui se passe? Oh my God. Nous devenons si petites. Ah ouais, je vous ai eu. Je vous ai promis le prix, vous allez le voir. Bon voyage, les filles. Qu'est-ce qui se passe? What? Où sommes-nous? Bienvenue dans le challenge au bouton mystère. Quel genre de challenge? Pourquoi on est dans les cages? Et pour rien, il y a des caméras. Quelqu'un nous observe? Oh, quelqu'un, s'il vous plaît. Pourquoi vous criez? Tout le plaisir est devant nous. Appuyez sur le bouton et n'ayez pas peur. C'est vrai, le bouton n'est pas du tout effrayant, d'autant plus qu'il y a une délicieuse boisson de Starbucks. Regardez, quand c'est délicieux, avec de la crème fouettée. Julien, c'est à toi. Profites-en. Et n'oublie pas de respirer. Et prends soin de tes beaux cheveux. Et pour la décoration, un bonnet de crème fouettée délicate. Ça te va très bien. Vas-y, goûte. What? Et en fait, c'est à moi. Wow! Yummy! Oh, super doux! Oh, je me demande ce qui se passe si j'appuie sur ce bouton-là. Qu'est-ce que nous avons? Ah ouais, de la vraie nourriture pour chat. Nous les aimons tous beaucoup, vraiment. C'est pour toi, Nancy. Oui, ça sent pas très bon, mais peut-être que le goût est mieux. Oh oui, il pleuve. Pleure, tu es au ton. Je pense que Nancy aime pas ça. Oh, ne sois pas triste, peut-être, et tu auras de la chance la prochaine fois. Maintenant, c'est le tour de Julien. Je me demande ce qu'il attend cette fois-ci. Je vais appuyer sur ce bouton-là. Voyons voir. Oh oui, c'est le coca préféré de tout le monde. Et il y en a beaucoup, une pyramide entière. Oh oh, Julien, attention. Coca te tombe dessus comme une grêle de glace. J'espère que tu n'auras pas de bosse sur la tête. Oh, où est le clown? Et maintenant, tu peux profiter du coca bien frais. Non, mais moi, j'ai de la nourriture pour chat. Et elle? Vas-y, Nancy. J'espère que tu auras de la chance. Oh, waouh! C'est le blaster. Regardez, on peut geler tout. What? Vas-y, essaye. Et maintenant, il est prêt. Mais vas-y, fais attention. Ouais. Waouh! Non, coca gelé, c'est encore plus cool. Comme de la glace. Julien, donne-moi un peu. C'est moi qui t'ai gelé le coca. Non! Non mais, vas-y, tiens-toi. Mon blaster te transformera en monument. Ah. Maintenant, c'est cool. Et tant que Julien est comme en glaçon, on va voir ce qu'il attend ensuite. Oh, du cacao Nesquik. Ça, je comprends. C'est vraiment bon et chaud. Juste ce qu'il te faut. Pour notre reine de neige. Regardez, ça a marché. Ouais, quel doux de chocolat. Oh, comme c'est bon. Oh non. What? Non, si ton blaster est déchargé, tu ne peux plus décongeler personne. Julien, appuie sur le bouton. C'est tellement excitant ici. À chaque fois, une nouvelle surprise. Qu'est-ce qui t'attend cette fois-ci? Oh, waouh! Ce sont des lunettes de haute technologie. Chut! C'est un enveloppe secret des services spéciaux. Seuls les vrais espions les ont. Abandonne-les pour un moment. Quoi qu'il y ait un coup pour un challenge. Attrape ça, Julien, mais fais attention. C'est un objet de valeur. Waouh, c'est comme si j'étais dans un jeu vidéo. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Des indices? Je vais appuyer sur le bouton smiley. Je pense que c'est comme ça que je vais obtenir des cadeaux. Et oui, t'as raison.
Vraiment, c'est un saut de popcorn au caramel. C'est bon et c'est tout à toi. Ouais, j'aimerais bien l'amener au cinéma. Mais même sans le cinéma, t'as quoi faire? C'est pas très facile, mais tu peux te faire. Oh oui! C'est tellement bon! J'en veux encore, je vais encore appuyer sur le bouton. Et je vais appuyer sur ce bouton-là. Alors... Oh wow! Un gros stack de Skittles colorés. Ouais, je sais que tu les aimes beaucoup. Mais bon, malheureusement, c'est juste la pluie d'eau qu'on a d'habitude et pas la pluie de sucreries. Ouais, c'est super cool. Alors, qu'est-ce que nous réserve ce bouton-là? On attend. Oh, c'est un paquet géant de guimauve. Ouais, génial, Jillian. T'as beaucoup de chance, tu nages dans les sucreries. Nous devons tout être à ta place en ce moment. Alors, profite-en. Oh oui. Oh oui, c'est super. J'adore ces marshmallows. Moi, je suis prête à manger pour toujours. Sur lequel bouton je dois appuyer pour avoir les sucreries? Vas-y, appuie sur le bouton vert. Merci. Alors, qu'est-ce qui m'attend? Je suis désolée, mais bon, c'est pas bon, c'est du poisson. Quelle odeur! Eh bien, peut-être que tu aimeras ça. Je veux dire, nous avons tous des goûts différents. Certains d'entre nous aiment le salé. Ouais, tu n'as pas l'air d'aimer ça, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce que tu peux faire? C'est la règle de notre challenge. Tu peux obtenir n'importe quoi. Jillian, non mais tu m'as menti. C'est pour ça, je t'en prends tes lunettes. Bon, voyons voir. Ah oui. Je vois l'indice. Et voilà, c'est la sortie. Enfant la liberté. Qu'est-ce qui se passe? Au secours. Oh non. Ma cage va me manger. J'ai réussi. Attends de voir ta tête. Jillian, c'est ton tour. Vas-y, choisis le bouton, mais sans indice. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Oh oui, du Nutella. C'est bon et super sucré. Quoi de mieux qu'une cascade au Nutella? La fontaine de Nutella. Et ça va super bien avec des marshmallows en plus. Oh my god! Jillian, je pense que vraiment c'est le meilleur sucrerie du monde que t'as. Non, Jillian, encore de la chance. Vas-y, Nancy, qu'est-ce qui t'attend, toi? Oh, enfin! Des bonbons Jelly Belly. Mais par contre, ces bonbons ont des goûts différents. Ouais, et tu peux avoir n'importe quoi. Il faut que tu goûtes tout. Tellement intéressant. Je vais essayer par là. Alors, Nancy, t'aimes bien? Oh, waouh. Regarde, t'es transparente. Nancy, t'es où? Non, mais elle est où? Elle m'a rien dit. Non, c'est une copine, ça, ou quoi? Nancy, t'es où? Oh, non. Personne me voit. Et voilà, c'est ma chance. C'est mon nez. Aïe. Bon, Nancy. Non, mais prépare-toi. Je vais te prendre. Je vais te chercher. T'es où? Qu'est-ce qu'il a, le clown? C'est la clé de la cage. Oui. Je suis libre. Maintenant, Jillian. Vas-y, sors de là. Allez, sortons d'ici. À bientôt, le clown. Challenge de l'artiste. Ah oui, c'est une idée cool. Celui d'entre vous qui le dessinera le mieux obtiendra la fontaine de chocolat. Si tout le monde est d'accord, on peut commencer. Mais attention, vous devez dessiner sans les mains. C'est obligatoire. Si c'est clair, la minute est partie. Allons-y. Je suis presque sûre que j'ai réussi à l'emporter.
Pourquoi je devrais être en compétition avec ça? Ah oui, qui a dit ça? Quelque chose me dit que je vais avoir la fontaine de chocolat. Je suis si douée pour le dessin. Quoi? C'est à moi? Mais je n'aime pas vraiment ce que j'ai jusqu'à présent. Il faut peut-être changer de tactique. Je pense que dessiner avec un feutre serait beaucoup plus confortable. Ah ouais? Je vais essayer comme ça. C'est bien. Oui, un feutre. J'ai envie de dessiner avec aussi. Oui, tu ne peux même pas ouvrir un feutre. Ce n'est pas drôle. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Surtout que d'autres n'ont pas de si beaux dessins. Mais c'est bon, si je ne peux pas dessiner magnifiquement, j'ai besoin que les autres gâchent aussi leur chef-d'œuvre. Je pense qu'un stylo m'aidera. Mais qu'est-ce que t'as fait? T'as fait gâcher mon dessin. Oh, quelle malchance! Pourquoi est-ce que tu rigoles? Je pourrais te ruiner aussi, hein. En plus, ton dessin est fichu. Mais aussi, je vais tout gâcher. Tu sauras comment me moquer de Samantha. Oh non, arrête! Oui. Chelsea, pourquoi t'es si heureuse? Je vais aussi ruiner ton dessin. Non, s'il te plaît! Stop! Les filles, votre temps est écoulé. Montrez-moi vos œuvres. Oh non, j'ai pas eu le temps d'abîmer le dessin de Chelsea. Voyons voir ce que vous avez dessiné. Marie, qu'est-ce que c'est que ça? Ça ne ressemble pas à une fontaine, mais à une tache. Samantha, ton dessin n'est pas très bon non plus. Pourquoi vous n'avez pas essayé? Qu'est-ce que vous pensez de mon travail? Eh bien, c'est mieux que les autres. Ok. Mais j'ai vu plus joli. D'accord, puisque c'est pire que celui de tout le monde, Chelsea gagne ce soir. Mais j'ai essayé plus fort que tout le monde, donc j'ai mérité ce prix. Tu penses que t'es la seule à pouvoir boire du chocolat? T'as tort. Nous pouvons le faire aussi. Nous avons même des pas spécialement conçus pour cela. C'est tellement bon. Eh, où est le chocolat? T'es notre amie. Tu l'as donc partagé avec nous. Voleuse! Est-ce que vous êtes prêts pour le prochain tour? Cette fois, votre prix sera encore plus cool. Oui, le chien est tellement mignon. Il est très ressaisi. Il est allé aux toilettes. Et le prix est le caca le plus mignon. Celui qui dessine le mieux l'obtient. Bonne chance. C'est parti. Je ne veux pas de caca. Je vais dessiner juste quelque chose. Mais pas un caca. Je dois faire le pire dessin de ma vie. C'est vrai. Il n'y a rien de pire que dessiner avec son pied. Je m'excuse tout de suite pour l'odeur. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Une guerre nucléaire est en cours. D'où vient cette odeur? C'est juste mon pied. Tout le monde est sûr de dessiner quelque chose de cool. Je vais juste utiliser un feutre sur le papier. Comme ça, je ne me ferai pas prendre. Et je n'aurai pas de caca. Oh non, j'ai perdu mon feutre brun. J'ai besoin d'un remplacement tout de suite. Je n'arrive pas à mettre la main sur quoi que ce soit. Je dois faire plus attention. Je me demande ce que les autres ont dessiné. What? Votre temps est arrivé à sa fin. Montrez-moi vos chefs-d'œuvre. C'est terminé? Oui, je suis prête à montrer mon dessin. Chelsea, j'attendais plus de toi. Waouh, Samantha, t'es vraiment bonne. C'est un bon dessin. Marie, pourquoi tu t'es endormie? Oh non, je dors pas. Voici mon dessin. Oh, c'est un vrai caca. C'est donc toi qui reçois le prix. Félicitations, Marie. C'est du caca? Oh non. Les règles disent que tu dois manger ça. Oui, mais que se passera-t-il si c'est de la chance et qu'il s'avère que ce n'est que du chocolat? Awesome. Ouais, elle mange vraiment du caca. Vous êtes le caca. Et cette pâte de chocolat est tout simplement délicieuse. Vous voulez bien essayer? C'est vraiment bon. Les filles, vous êtes prêtes pour le prochain combat? Cette fois-ci, vous vous battrez pour le chaton le plus mignon. Il est si mignon. Et vraiment doux.
Si vous le dessinez vraiment bien, c'est à vous. Vous devrez utiliser avec des crayons de couleur. Et sur votre visage. Je ne peux que vous souhaiter bonne chance. Et c'est parti! Yeah! Et vraiment, pourquoi dessiner quelque chose sur du papier quand je ressemble beaucoup à un chat mignon de moi-même? J'ai juste besoin de quelques détails supplémentaires sur mon visage et j'ai terminé. Je ressemble aussi à un chaton miaou! C'est moi qui suis le plus beau! Vous pouvez vous tourner autant que vous voulez. Mais je suis la seule à avoir pensé à acheter un miroir. Je ne peux rien faire de bien sans ça. De plus, un miroir n'est pas contraire aux règles. Yes! Je vais définitivement gagner. Chelsea ne sait pas dessiner. Et Marie? Oh, wow! Utiliser un miroir est contraire aux règles. Honte à toi! Regarde, Chelsea! Tu vois le nerf de la guerre! Oh non, c'est pas juste! Il faut donner le soin à Marie. Nettoyons son maquillage. Marie, t'es prête à prendre une douche? Alors, vas-y! Non! Pourquoi? Pourquoi vous faites ça? J'aurais pu recevoir un chat en peluche en cadeau! Un vrai chaton! Si le maquillage de Samantha est aussi court, je n'aurai pas ce chaton. Il faut ruiner son maquillage. Samantha, ton maquillage a coulé. Où ça? Dis-moi, je réglerai la situation. Laisse-moi t'aider. Ça ne me dérange pas. Ouais? Ouais? C'est génial! Oh, merci beaucoup! Les filles, montrez-moi vos visages. Voyons qui a quoi. Marie, tu n'as même pas essayé. Oui, horrible, tu ne peux même pas voir un chat comme ça. Samantha, t'as seulement vu à quoi tu ressembles. Et pourquoi un pirate? Un pirate? Mais quel pirate? Ah ouais, Chelsea! Je t'ai donné une leçon. Au moins maintenant, l'autre pourra apprécier mon maquillage. Ok. Oui, je vais encore devoir donner la victoire à Chelsea. Parce que le reste d'entre vous a une situation bien pire. Oui, ce bébé est à moi maintenant. Je pense que mon allergie au chat d'enfance est de retour. Oh, ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Le chaton sera d'entre les meilleurs mondes maintenant. Oh non, c'est à moi. Tu t'es même vu? Soigne-toi d'abord. Ils nous te donneront le chaton. Comme le dernier prix était si génial, tu ne vas peut-être pas aimer ça. Vous allez vous battre pour le poisson. De plus, vous allez devoir dessiner avec des sauces différentes pour cette fois-ci. Ok. Et ce sera plus difficile, mais vous pouvez le faire. C'est parti. Bien sûr, ça va être génial. Non seulement la peinture à la sauce est amusante, mais aussi elle est très délicieuse. Qu'est-ce que tu fais? Garde tes déchets pour toi. Je suis désolée, je ne l'ai pas fait exprès. D'accord, je suis pas offensée. Ça doit être amusant de peindre avec des sauces. Je veux dire, ils sont si brillants. Ça a l'air plutôt cool. Il s'avère que le ketchup est une très bonne peinture. Je pense que la sauce fromage est assez brillante. Elle peut donc aussi être faire un dessin très cool. Épuisé si vite. Mais c'est pas grave. Ils ont tous l'air très lumineux et jolis. Alors toute sauce m'aidera à dessiner. Oh, wow! Je ne savais pas que dessiner des sauces était si amusant. Allez! Oh non, tout le monde dessine trop cool. J'ai besoin de me pousser aussi. Je veux aussi un joli dessin. Oh non! Ce sont très bons. Ils doivent aussi avoir un très bon goût. Oh, wow! Ils ont tellement bon goût. Pourquoi dessiner du tout quand les sauces sont si bonnes toutes seules? Vraiment? Je pense que manger uniquement des sauces est bizarre. Non, ce n'est pas le cas. C'est cool et très délicieux. Je suis d'accord. Mais c'est plus cool de dessiner. Quoi? Oh, mais non, les stupides cartons. Oui, ils ont ruiné tout mon dessin. Comment t'as pu me faire ça? Des bêtises stupides. Oh non, j'ai mangé toutes les sauces. Je ne sais pas du tout dessiner.
Mais ce n'est pas grave. Nous pourrions simplement voler les dessins de Samantha. Oh, le temps est écoulé. Montrez-nous qui a dessiné quoi. Montrez-moi. Je vais prendre un bon dessin en attendant. Marie, ce n'est pas ton jour. Le dessin est pas bon. Non. Je préfère celui de Chelsea. Bon travail. Samantha, qu'est-ce que t'as fait, toi? Tu penses que si t'assieds là et fais rien, tu n'aurais pas de poisson? Oups! Cependant, félicitations! C'est Samantha qui reçoit tout un tas de poissons. Tout ça, c'est à cause de Chelsea. Je ne peux pas manger autant de poissons crus. Une idée. Pourquoi manger du poisson cru quand tu peux le cuire? C'est une excellente idée. Il y a une raison pour laquelle je porte toujours une torche sur moi. Oh, Chelsea, je suis désolée. Je pense que j'ai une lumière sur toi aussi. Oui, ça te va bien. Regarde. Tu peux transformer un méchant poisson en une délicieuse friandise avec une torche. Et si passer l'affaire? C'est ça, regardez. Souhaitez-moi bon appétit. C'est génial. Abonne-toi sur Darada. C'est toujours hilarant.